Voilà, donc je voudrais remercier les populations de Ziguinchor, les populations de la Casamance, j'allais dire les populations du Sénégal, parce que le Casamance c'est l'ensemble des Sénégalais, des Casamance et des Ziguinchorois. Tout le monde se retrouve dans le Casamance. Alors, avant même l'Assemblée générale, on a eu l'impression que l'Assemblée, la tenue du comité directeur allait se passer, allait se dérouler dans des conditions difficiles. Heureusement, par la grâce de Dieu et par la volonté sportive des uns et des autres, nous sommes arrivés à tenir une réunion de comité directeur qui s'est déroulée dans une grande stabilité. Les gens ont fait un sursaut véritable pour que nous arrivions à cela. Alors, ça s'est passé dans le calme de manière générale. Les gens, c'est de véritables sportifs. Personne n'a perdu, personne n'a gagné. Le Casamance seulement a gagné en vérité. Et c'est pourquoi c'est l'occasion pour moi de remercier les uns et les autres, remercier le bureau sortant. Je l'ai dit hier, le président Noir est un monument ici à Ziguinchor, monument au plan historique, monument au plan politique, monument au plan intellectuel. Aujourd'hui, et c'est pourquoi le comité directeur et moi-même, nous avons pris la résolution de porter Noir comme président d'honneur du Casamance. Cela marque encore combien de fois nous avons la sympathie vis-à-vis de cet homme qui a amené le Casamance jusqu'à ce niveau. Ça, il faut le reconnaître. Un bilan très positif. Et à notre tour maintenant, de pouvoir asseoir une véritable continuité dans le sens même des recommandations issues de l'Assemblée générale qui sont entre autres répondre favorablement à la vision telle que déclinée du Casamance. Une vision qui se scinde à deux niveaux. Le premier niveau, faire du Casamance un club compétitif, et le deuxième niveau, faire du Casamance un club attrayant. Quand on parle de compétitif, c'est l'aspect technique. Et là, c'est l'occasion de remercier aussi la participation et l'arrivée de Aliou Cissé, qui aujourd'hui va gérer les aspects techniques en tant que président de section de football. Et nous autres, sur le plan de l'attraction du Casamance, c'est de mettre en place une politique viable. Et cette politique viable va se résumer d'abord premièrement, par la construction d'un siège du Casamance, un siège approprié qui répond aux attentes et aux aspirations d'un club de la dimension du Casamance. À côté de cela aussi, développer un site d'information, un site web. Parce que vous allez comprendre aujourd'hui que le Casamance est à travers le monde entier. Il y a des supporters du Casamance qui sont ailleurs hors du Sénégal et qui voudraient comprendre la vie du Casamance, l'évolution du club. Et qui veulent même parfois participer au débat restreint du club pour apporter leur sien dans le développement du sport, en Casamance de manière générale, mais surtout du Casamance. Et ce, voilà donc les directions sur lesquelles nous allons encore poursuivre l'œuvre du bureau précédent, tout en disant que la main dans la main, nous allons pouvoir soulever des montagnes. Il ne s'agit pas de Seydou Sané, mais il s'agit d'une équipe. Nous construisons une équipe. À moi seul, je ne pourrais jamais réaliser sans l'effort des uns et des autres. Et c'est pourquoi cette solidarité qui s'est manifestée hier, nous allons aller dans ce sens, à la développer davantage, à raffermir les liens, pour que seuls nous parlions d'une même voix. La voix, c'est celle-là, celle du développement de notre club familial. Il faut comprendre aujourd'hui que nous sommes à une phase de professionnalisation. Nous sommes dans la professionnalisation de notre club. Le Casamance est devenu une société anonyme à côté de l'association Casamance. Hier, c'était l'association Casamance, mais le club Casamance de première division est géré par la société. C'est comme toute autre société qui fait et qui génère des bénéfices. Alors, à ce niveau, nous allons organiser un atelier de réflexion pour voir quelles sont les voies et moyens qui nous permettront d'asseoir une véritable politique financière. Nous avons déjà des idées, mais il faut que ces idées-là soient partagées par l'ensemble des acteurs pour que ça soit des idées propres à tout le monde et que nous puissions ensemble les mener à bon port. Alors, il y a aussi la question de la communication. On a toujours reproché au Casamance de communiquer mal. Et il communiquait certes, mais mal. Est-ce que vous avez une solution par rapport à cela? Ah oui, pour le cas de la communication, en dehors du site que nous allons mettre en place, parce que voilà donc un outil qui nous permet d'asseoir une véritable politique de communication. À côté de cela, nous allons apporter un coup dans le cadre de la formation de celui qui gère les aspects de communication. Parce qu'il faut un renforcement de capacité pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il faut dire de ce qu'il ne faut pas dire. Parce qu'il y a des propos qui peuvent même ameuter les populations
alors que ce n'est pas ce qui était recherché. Le CASA Sport est un club parmi les plus grands clubs du Sénégal. Et cela s'est démontré hier encore une fois. On s'attendait à ce qui, comme d'autres clubs, ils ont tenu les AG difficilement, mais nous, de manière très pacifique, de manière très simple, nous avons pu réussir cela. Et ça aussi, c'est un bilan dans le cadre de la communication. Il faut donc communiquer, mieux communiquer et bien communiquer surtout. Et c'est pourquoi, à côté du site du CASA Sport, site web que nous allons ouvrir, nous allons dégager des stratégies de communication. Et c'est pourquoi nous allons entamer une phase de révision des textes, un règlement intérieur approprié, voir ce qu'il ne voit pas, ce qu'il faut faire, et pour que tout le monde se retrouve dans une même direction. Parce que asseoir une équipe à la dimension du CASA Sport sans avoir des textes fiables pose problème. Et je sais que l'ancien bureau a organisé assez d'ateliers pour que nous puissions aujourd'hui nous retrouver sur l'essentiel. Nous allons poursuivre cette œuvre en retouchant, bien sûr, et en nous conformant à la réglementation en vigueur. Voilà. Le dernier mot, c'est de remercier tout le monde, faire appel à tous les supporters du CASA Sport, où qu'ils se trouvent, pour dire que cette équipe est la nôtre. Nous allons aujourd'hui, au-delà du football local, avoir une ambition internationale africaine. Le CASA a joué une finale de l'UFOA. Aujourd'hui, c'est d'aller au niveau encore africain pour prouver et montrer que le CASA Sport a déjà fini de prouver au niveau local et que c'est l'Afrique maintenant, cette dimension qui nous reste. On peut le faire, on a le talent, on a l'équipe qu'il faut, on a une gouvernance qu'il faut. Et je pense que avec le concours des uns et des autres, l'Afrique ne sera pas un rêve. L'Afrique sera une réalité et nous allons faire mieux que toutes les autres équipes du Sénégal qui ont eu à montrer et à démontrer à la face du monde que le Sénégal pouvait aussi conquérir l'Afrique.